Ils ont abandonné leur tenue de chant le temps d'un jour pour accueillir la délégation d'Olam en tournée dans leur localité. Ces agriculteurs et agricultrices, regroupés au sein de la coopérative Edendivara, ont cultivé une plantation de 20 hectares, la plus grande superficie du département de Mougouti. Le représentant du directeur régional du programme Graines ne peut que s'en féliciter. Alors, c'est une coopérative très dynamique. L'accueil que nous avons reçu est à l'image du dynamisme de la coopérative tout au long de l'activité que nous avons débutée depuis l'an dernier, qui se poursuit d'ailleurs. Alors, je tiens à féliciter les membres de la coopérative ainsi que la présidente. La présidente qui reconnaît l'appui de l'État et la volonté de ses collaborateurs à vouloir travailler la terre n'a pas manqué de poser le problème de la commercialisation de ces vivres alimentaires. L'État gabonais nous a vraiment aidés, nous a appuyés. C'est un salut pour ce projet, ce trader qui est arrivé. Et c'est vraiment un salut. Nous avons pu réaliser, nous voyons que les Gabonais peuvent faire quelque chose. Il y a des Gabonais qui sont là prêts à travailler. Et avec ce projet, nous avons pu réaliser 20 hectares. Et comme vous pouvez le remarquer, nous allons faire la visite du site et vous allez voir combien de fois les Gabonais peuvent travailler. Nous sommes presque à la phase de récolte, donc nous nous inquiétons déjà pour la commercialisation parce que nous attendons des personnes qui viendront prendre. S'en est suivi une visite de la plantation et pour toucher du doigt, quelques boutures de manioc ont été déterrées en attendant la période très prochaine de la récolte.